Bonjour, en direct de Scrap de Claude, Scrapbooking. Je vais vous montrer ce que j'ai comme numéro pour le calendrier de l'Avent, ce que j'ai reçu par Christelle et Madeleine. Voilà, donc je commence par le 19, on était rendu au 19. Petit sapin de Noël décoré. Très joli. C'est très joli. Merci. Une autre décoration. Qui est très joli aussi. Une autre. Voilà. Ensuite, nous avons J'espère que la musique que j'ai mis derrière ne gêne pas trop, que c'est pas trop fort. Ah bah ça y est, ça arrête. C'était la boîte à musique que Christelle et Madeleine m'avaient envoyée avec des gâteaux dedans. Donc je me suis dit que ça aurait été sympa de la mettre en petit fond. C'est très joli hein, les petites décorations. Décoration en bois customisée, des découpes en bois customisées. À la façon de Christelle et Madeleine, un ange. Très beau. Merci beaucoup, elles sont très jolies. Voilà, alors le numéro 20. Donc ce sont des trombones. De jolies trombones. Je sais pas. Je regardais les trombones au lieu de regarder où je mettais. Voilà, de jolies trombones. Recto verso. Très beau. Alors là, c'est des trombones shaker. Donc il y a des petites. Vous entendez? Des petites perles dedans. Voilà. C'est très joli. Merci.
Alors, le numéro 21. Donc aujourd'hui, on est le 25, le jour de Noël. Oh pardon, j'ai oublié de vous souhaiter un joyeux Noël à tous. Bah ouais, on oublie quand on est le jour. Je sais pas vous, mais moi j'oublie tout le temps le jour de Noël de souhaiter un joyeux Noël. Donc là, ce sont des stickers. Des stickers de Noël. Voilà, des stickers de Noël. Le numéro 22. Alors, par où ça s'ouvre? Là, c'est des gros scotch. C'est du gros scotch, là. Voilà. Alors, nous avons un magnète chat. Un magnète chat. Et deux bottes de Noël. Des bottes de Noël. Je vous assure qu'elles sont grandes, hein, parce que par rapport à ma main... Vous voyez, elles sont très grandes. Donc, ce sera à mettre dans le sapin. Voilà. On va les mettre hein, dans le sapin. Il n'y a pas de souci. Bien sûr, j'enverrai une photo à Christelle et Madeleine pour qu'elles voient que j'ai mis dans le sapin. Alors là, nous avons... Moi, je n'ai jamais mangé ça. C'est pas bon pour mon régime. Mais il y en a sûrement qui vont aimer ça. C'est une brioche avec du chocolat dedans. Un penne. Penne. Je sais pas le nom. Un seau siocholato. Les gens connaissent, hein, je suppose. Voilà. Alors, voilà. Oh, des bottes de Noël. Regardez. Alors, comment on ouvre? C'est très bien scotché. Voilà. Ah, oui. Ça va marcher. Voilà. Le renne de Noël dans sa botte. Avec son petit gros lot. Joli petit gros lot. Trop mignon. Tout ça, ce sont des décorations pour mettre dans mon sapin de Noël. Le Père Noël. Qui doit être parti se reposer maintenant. Hein, le Père Noël, il est rentré chez lui pour se reposer. Voilà.
Et alors, celui du 25, c'est-à-dire d'aujourd'hui, le cadeau du 25. Oula, c'est... Ce n'est pas marqué fragile, mais je pense que ça doit être fragile. Oh, mais ce n'est pas grave de Madeleine, que c'est pas grave du tout. Que c'est pas grave. Je suis très contente. Très, très contente. Alors, comment je vais faire pour ouvrir? J'ai déjà enlevé ça. Ça m'a l'air très mignon aussi. Ah. Ouf. Je m'accroche dans les bottes de Noël. Ouh, mais j'ai bien du mal à l'ouvrir. De nouveau, un très beau plat fait de madeleine. Trop mignon. Voilà. Merci Madeleine, il va rentrer dans ma collection de plats. C'est dommage, c'est qu'on ne peut pas s'en servir. On peut pas s'en servir de ces plats parce que le dessin risque de s'effacer à force de nettoyer, quoi. Que c'est dommage. Voilà. Eh bien, je remercie Madeleine et Christelle pour tous ces cadeaux du calendrier de l'Avent de 2020. Donc, avant Noël 2020, voilà. Donc, c'est Noël de cette année est un peu triste pour tout le monde, je suppose. À cause de la pandémie, bien sûr. Donc, en espérant que l'année prochaine, ça ira mieux pour tout le monde. En espérant que le vaccin qu'ils ont créé en vitesse, comme on dit, ne fera pas trop de dégâts non plus. Parce que, comme on dit, un vaccin qui n'a pas été testé durant une période de, je dirais, presque 10 ans. On ne sait pas quels sont les effets secondaires de ce vaccin. Voilà. Donc, en tout cas, moi, je remercie beaucoup Christelle et Madeleine pour toutes ces choses, ces petites beautés qu'ils m'ont faites, toutes ces créations. Voilà. Et toutes celles que j'ai reçues depuis le début du mois de décembre. Voilà. Donc, je vous souhaite de bonnes fins de fêtes de Noël
et pour bientôt les fêtes du Nouvel An qui vont arriver. Et je vous dis à bientôt. Vous étiez en direct de Scrap de Claude de Scrapbooking. Et abonnez-vous pour voir la suite. Voilà. Bon, je vous souhaite une bonne santé. Et pour bientôt une bonne année. Et je vous fais de gros bisous à tous. Bisous, bisous. Au revoir. Merci Christelle. Merci Madeleine.